Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CDAO, c'est l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines, et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahman Tchani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024, merci de votre très aimable attention.